les populations de Savalo l'attendaient de pied ferme. Ils avaient même soif de le voir. C'est pour ça que ce soir, vous aurez dû constater la foule, le monde, la liesse populaire qu'il a eue et pour l'accueillir. C'était ça, c'était des sentiments de fierté. On a été fiers d'être Savalois et très encouragés de reconnaître que les populations de Savalo n'ont pas changé de manière de vivre, de manière de faire, et pour prouver encore une fois au chef de l'État qu'il est Savalois et qu'ils sont avec lui, qu'ils le soutiennent et qu'ils n'attendent que les hostilités pour l'accompagner pour le second mandat. Il a mis un accent sur certaines choses. La route de Djidjaï, il a dit amplement. Et ça, pour cette route, c'est important et capital pour les Savalois. Et ça, il a dit, il a promis. Et c'est comme si c'était déjà fait. Puisqu'il s'est sorti de sa bouche de cette manière-là, moi, je suis convaincu que ça se fera. Étape par étape, il a essayé de dire ce qu'il a fait. Il a essayé d'évoquer à nouveau ce qu'il nous a promis. Et a fini par faire preuve d'une reconfirmation de ses promesses. Et je crois que pour cette fois-ci, le devoir forcera la main à toutes les filles et tous les fils de Savalou à faire pression sur le chef de l'État. Hier, à observer l'enthousiasme des populations, nous devons comprendre que Talon est venu chez lui. Mais il a préféré régler les problèmes aux alentours d'abord de la commune, régler les problèmes des autres. Et nous sommes certains qu'il viendra ici pour faire le maximum. Après, il a reconfirmé sa promesse de construction de l'usine d'acajou, de transformation d'acajou. Ça va utiliser les Savalois, ça va utiliser beaucoup de gens. Il a la question de voirie, la question de construction de routes à l'intérieur de la ville. Il en a parlé habilement. Et vous savez, on ne peut pas dire que le président évite, le président ne veut pas faire de Savalo un pôle économique du département. Est-ce que vous pouvez devenir pôle économique sans avoir des éléments constitutifs d'un développement, en tout cas les éléments constitutifs du développement? Si vous n'avez pas l'électricité, si vous n'avez pas l'eau bien disséminée dans tous les coins et recoins de votre ville, pouvez-vous faire un développement, pouvez-vous devenir un pôle économique? Le soubassement d'un pôle économique, c'est d'abord l'industrialisation. C'est la force de l'artisanat que vous avez. C'est la force de l'agriculture que vous avez. Et transformer une commune en pôle économique, ce n'est pas du jour au lendemain. C'est à travers les réalisations quotidiennes que demain nous deviendrons pôle économique. Et on ne deviendra pas pôle économique en croisant les bras. Cela dépendra de la perspicacité. Cela dépendra de la ténacité des enfants de Savalou, filles et fils de Savalou. Ça dépendra de nous. Le président peut avoir la ferme volonté, mais si nous-mêmes, nous ne nous organisons pas pour faire les pressions qu'il faut, nous ne nous organisons pas pour aller partout, taper à toutes les portes, nous n'aurons pas ce pôle de développement. Les routes qui vont relier la commune de Savalou avec d'autres communes seront faites. Il y a plusieurs autres projets et il est en train de penser. Il a l'électricité, le marché. Il y aura la construction d'un nouveau marché pour la commune de Savalou et pour les autres arrondissements aussi. Djaloukou, Tchéti, tout ça. Je pense que ça fera partie d'un deuxième programme d'action. Si le monsieur se porte candidat, personne ne peut rien contre. Et nous, on est là pour l'accompagner, à ce qu'il puisse réussir sa mission. Déjà que les choses qui ont été entamées, beaucoup seront terminées. Ici, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de « je suis de tel bord, je suis d'un autre bord ». Il faut que tous les Savalois s'unissent ensemble et parler d'une même voix. Accompagner déjà le nouveau maire qui est installé là, qui est dynamique. C'est un jeune, il est dynamique, il est à l'écoute de la population. Il faut que nous l'aidions à accomplir sa mission et
pour que le chef de l'État puisse voir, puisque le chef de l'État lui-même, il a dit, il est natif de Savalou. Quand il était un peu plus jeune, c'est pas là, à Zongola, qu'il passait la plupart de ses vacances. Donc, c'est un Savalois. Vous avez vu la banderole qu'on a mis derrière lui hier. Ici, c'est Savalou. Vous êtes chez vous, monsieur le président. Donc, lui-même, il sait ce qu'il nous faut ici à Savalou. Il a dit que Savalou attend beaucoup de lui. Lui-même sait. Et ce n'est pas suffisant ce qu'il a fait, mais c'est déjà un effort. Ça n'a pas été sous les autres régimes. Sinon que notre adduction d'eau ici date d'une cinquantaine d'années. Et lui, il est arrivé après trois présidents. Voilà ce qu'il a pu faire, c'est déjà un effort. Il est à féliciter. Déjà, Savalou Gaye a été formé parce qu'on dit qu'il y a l'information à le pouvoir. Et Savalou a profité, Savalou a profité de savoir qu'est-ce qu'il y en a. Quelle est la place qu'elle occupe dans le cœur? Voilà, c'est un projet qui est son prénom, Savalou. Déjà, vous avez vu, il y a cette petite télé-année, on est au moins sûr de prendre l'eau potable. Ça, c'est très important, mais il reste à faire l'extension dans les autres villages. Ça va nous monter 10 villages.